C'est pas mal cette petite cliquette là, c'est du coton? Non, ça c'est de la laine, t'es Oh sûr, hein? regarde Arnaud, les gens sont là! Ah, coucou! Ah, vous nous avez trop manqué! Ah, vous avez pas changé, lui, même là, Ah, arrête, enfin... on s'en fout de ça, Allez, pardon. ferme-la. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Un mini-CG! Qu'est-ce que c'est, mon petit Arnaud? Un mini-CG, c'est d'abord une petite vidéo d'Arnaud et Pioui. Mais surtout... Un coup de gueule! Et aujourd'hui, on va parler de la couverture médiatique d'Éric Zemmour. Il peut pas nous en laisser un petit peu de couverture, j'ai froid, moi, non? Et de sa montée en puissance dans les sondages, hein. 10%. Et plus. 13%. Et plus. Et maintenant 17%. C'est trop. C'est beaucoup trop, et c'est justement parce que les médias ne parlent que de lui depuis un mois qu'il monte autant dans les sondages. Alors que, soi-disant, on parle de lui parce qu'il monte dans les sondages. Non, faudrait savoir, les mecs. Plus on parle de lui. Plus il monte dans les sondages. Et plus il monte dans les sondages. Plus on parle de lui. C'est clair? Oui, mais nous aussi, là, on parle de Zemmour, non? Oui, bah, il faut bien en parler pour expliquer aux gens qu'on les prend pour des cons. Oh là là, je comprends rien à la politique. Tu comprends rien à rien. Et Zemmour, lui, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Ah bah, il dit, ben voyons, dès qu'une personne s'adresse à lui, de toute façon, donc... Et sa fixette sur l'islam, là, et sur les étrangers, en règle générale. Pour le féru d'histoire qu'il est, la criminalité en France commence en 1976, pour le regroupement familial. Avant? Oh bah rien, des désaccords de fond, de la taquinerie, de la coquinade. Mais le crime, c'est à partir de 1976. La criminalité, à parcelle en col blanc, ça a un rapport sociologique direct avec la misère, c'est tout. Quand t'as le choix et que t'arrives à faire autre chose, tu risques pas ta vie tous les jours pour nourrir tes proches. Jean-Benoît, 42 ans, banquier d'affaires chez HSBC, il vend pas du shit le week-end pour se faire des petites sensations. Alors peut-être que si on éradiquait la pauvreté, on éradiquerait 90% de la criminalité, peut-être. Ah ça, on sait pas, il faudrait essayer pour voir. Point d'interrogation. Et comme par hasard, statistiquement, les plus pauvres, ce sont les étrangers ou les Français issus de l'immigration. Mais a priori, Zemmour, il va bien continuer à engraisser les ultra-riches et à faire flipper tous les autres, non? Oui, en même temps, c'est ça qu'il faut pour gagner les élections. Bref, réveillez-vous les gens et arrêtez de vous faire retourner le cerveau, là. En général, c'est de l'autre sens qu'il faut regarder le bidule. Et voilà, le premier mini-CG, c'est terminé. C'était d'abord... une petite vidéo d'Arnaud et Pioui. Mais surtout... un coup de gueule!